Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Alex. Quand j'enregistre cette vidéo, je suis encore chez moi, mais elle sera publiée lorsque je ne serai plus chez moi. C'est pour ça que je l'ai fait à l'avance, parce que je serai dans l'incapacité de les faire plus tard. Je vais les planifier pour le 29 août environ. On est pour les lions, ici on est sur le tirage des lions, première quinzaine de septembre, du 1er au 15 septembre. Ce tirage va concerner l'ascendant, le signe solaire, le signe lunaire en lion. Il ne peut bien évidemment pas correspondre à la vie de tous les lions sur cette planète. Prenez bien évidemment que ce qui vous parle, si rien ne vous parle, passez votre chemin. Celles et ceux qui souhaitent une consultation avec moi en privé, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo, vous m'écrivez avec votre date de naissance et votre prénom complet. On y va. Ami Lion, c'est pour vous, du 1er au 15 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tirage général, je le rappelle. Allez, Lion, ascendant Lion, signe solaire et lunaire en Lion. On y va. Qu'est-ce qui se passe du 1er au 15 septembre pour vous? Ben dis donc, ça se passera de commentaires. Ça se passera de commentaires, mais pourtant j'ai envie d'en faire des commentaires. Je peux vous dire que là, je me retiens. On a ici des hommes. Alors vous prenez comme ça vous parle. Ça peut être vous, homme lion. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, un partenaire, un ami. Vous prenez comme ça vous parle. Un homme qui était bloqué. Un homme qui était bloqué avec l'image de cette femme fantôme dans sa tête, une femme du passé qui n'est plus là physiquement au présent, mais qui est toujours omniprésente dans le psychisme de l'individu. Cet homme n'arrivait pas à oublier cette femme, toujours présente comme une sorte d'idée obsédante qui traînait dans la tête de cet homme en permanence. Et là, on voit une libération. On voit une libération, cet homme arrive à s'en détacher, à se libérer. On voit une guérison émotionnelle du passé par rapport à cette femme fantôme. Elle disparaît du tableau. Cette femme fantôme, c'est quoi le mot là? Putain, j'ai un mot, j'arrive plus à le trouver. Le fait d'être accroché à cette femme fantôme est expliqué. Enfin, explique le fait de votre inaction vis-à-vis d'une autre personne dans le domaine sentimental. C'est parce que vous étiez envahi par cette image du passé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, que vous ne pouviez rien construire d'engageant avec une personne au présent qui vous plaisait. On voit que là, ça s'améliore, il y a du soleil et de l'abondance qui revient sur votre état émotionnel concernant cette femme du passé. Voilà ce qu'on a en énergie 1. En énergie 2. Nouveau départ par rapport à un blocage, un nouveau self émerge. La partie bloquée n'est plus bloquée, vous voyez ça? La neige réchauffée par le feu, ça fond, le blocage fond. La neige, c'est tout ce qui est congelé, c'est tout ce qui est gelé. Le feu dégèle, d'accord? Il n'y a plus de blocage. Renaissance de cet homme qui n'a plus d'idées obsédantes, qui n'a plus d'idées envahissantes. Renaissance au niveau de la réflexion et de l'intrapsychique. On a une renaissance en interne. Il y a un état psychologique qui s'améliore grandement pour cette personne. Attendez-vous, si vous êtes d'un autre signe que le lion, qui nous regardez, et que votre partenaire est lion, et que vous regardez cette vidéo parce que votre partenaire est lion, attendez-vous au retour de cette personne. Car cette personne va mieux psychologiquement. Et c'est cet état psychologique qui était défaillant par le passé qui empêchait que cette personne revienne vers vous. Donc là, attendez-vous à recevoir toc, toc, toc. Oui, c'est moi. En noyau central, on a quoi? On a la faim et le repos. Repos. Repos mental, vous voyez cette carte, il n'y a rien qui se passe, c'est très calme, il n'y a personne, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'activité, c'est très très calme, c'est le repos mental. Cet homme était envahi mentalement par l'idée de cette femme, par l'idée de son passé, par des peurs, etc. On voit une guérison. On va tirer trois cartes au niveau émotionnel pour voir ce qui se passe ici. Voyons voir. On me parle ici
d'énergie de flirt. On lâche prise par rapport à des énergies de flirt. On arrête de flirter ici. Cet homme-là flirtait beaucoup. Parce qu'il était incapable de s'engager avec quiconque. Il flirtait beaucoup, là c'est terminé. Il souhaite apprendre à connaître mutuellement la partenaire de cœur. Il souhaite connaître ses secrets, lui révéler des choses. Voilà, là on s'oriente plus vers des relations engageantes et on laisse tomber le flirt ici. Voilà pour Voix Million, pour cette première quinzaine. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Pour un tirage sentimental privé avec moi, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous m'écrivez, vous m'envoyez votre date de naissance complète. Il y en a qui m'envoient juste la date sans l'année, ça peut pas le faire. Il faut tout et votre prénom. À bientôt, merci, bis, bye bye.